suis allée me promener à la campagne pour le thé. Je vous dis, j'en ai arraché, les maringouins m'ont tout mangé. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait une belle façon. Sont venus au devant de moi, c'était comme une procession. Les maringouins, c'est une bébite, faut se gratter quand ça nous pique. Je vous dis, c'est bien souffrant, c'est 100 fois pire que le mal aux dents. J'ai les jambes pleines de piqûres, c'est comme un vrai morceau de fourrure. J'ai la peau tout enlevée, c'est parce que je me suis trop gratté. Mais partout est-ce que j'allais, les maringouins me suivaient. Je courais tellement fort que j'en avais des bosses dans le corps. Quand j'allais voir la vieille canard, il pourraillait jusqu'au hangar. Il était tellement enragé qu'ils m'ont presque dévoré. Le soir après, j'étais couché autour de ma tête, ils venaient chanter. Voilà que j'allume la lampe, puis je commence à les courroyer. Ina avec sa lancette qui s'en vient sur ma jaquette. Mon mari à mes côtés, je vous dis qu'il a pas manqué. Je vous dis, 2 mois après, j'étais contente, blanc de train. Mais pour m'en débarrasser, mon midan boit puis mon checké. Quand mes amis m'ont vu, ils ne me reconnaissaient plus. J'avais le nez presque mangé, puis le visage tout boursouflé.